Le nom de Lott évoque bien sûr pour tous les flûtistes Louis Lott, figure indissociable de l'histoire de la flûte en argent dans la seconde moitié du XIXe siècle. Son grand-oncle, Thomas Lott, est un peu moins connu, mais il avait lui aussi tenu une place primordiale dans la facture de la flûte un siècle plus tôt. Tous les deux naquirent à la Couture-Boussée, dans l'Eure, à l'ouest de Paris. C'est un étonnant destin qu'aura ce tout petit village, capitale véritable de la facture d'instruments à vent, puisque toutes les dynasties de facteurs français en sont originaires et sont plus ou moins liés entre elles par alliance. Les Hautetert, les Chédeville, les Frémont, les Lisieux, les Lott, les Nost, les Godefroy, les Thibouville, les Buffet. Le nom seul de ce village laisse présager de sa vocation. En effet, la Couture-Boussée signifie textuellement la culture du buis. Né en 1708, Thomas Lott s'inscrivit dans une prestigieuse lignée de la facture de flûte, puisqu'il fut l'héritier du fameux atelier de Pierre Nost, l'un des meilleurs de Paris. On attribue à Nost, ou à ses successeurs directs Antoine de Le Rabelais et Barbe Pelletier, la séparation de la flûte en quatre parties, elle était auparavant en trois parties, et le principe des cordes rechange pour s'adapter aux divers diapasons en usage. Entré comme apprenti à l'âge de 14 ans, Thomas Lott épouse Jeanne Nost et reprend la direction de l'atelier en 1734 en imposant sa marque. La proximité de Thomas Lott avec les principaux flûtistes de son temps, comme Blavet, Nodot, Boismortier, Philidor et même plus tard Wendling, l'ami de Mozart, fait de sa flûte l'instrument français par excellence des années 1735 à 1760. Tout indiqué pour jouer Rameau, par exemple. Cet instrument est une copie, d'après Thomas Lott, réalisée par Eugène Kreinen dans un très beau bois de buis. On peut admirer sa clé en argent travaillé, le superbe profil et la finesse des bagues d'ivoire. Sa sonorité est ample, mais avec délicatesse, son jeu souple et volubile.